Bonjour à tous. His Excellency Mr. Wavell Ramkalawan, President of the Republic of Seychelles, and First Lady Mrs. Linda Ramkalawan. His Excellency Mr. Ahmed Afif, Vice President of the Republic of Seychelles. Honorable Mr. Roger Martien, Speaker of the National Assembly. Honorable Justice Anthony Fernando, President of the Court of Appeal. Honorable Chief Justice Mr. Ronnie Convinden. Honorable Mr. Errol Fonseca, Minister of Internal Affairs. Commissioner of Police, Mr. Ted Barbey. Honorable Attorney General, Mr. Frank Ali. Honorable Justices of Appeal. Honorable Judges of Supreme Court. Honorable Master of the Supreme Court. Honorable Magistrates. Bishop French. Excellencies, members of diplomatic corps, senior counsel and attorneys of at law, principal secretaries, chief executive officers, government officials, staff of the judiciary. A very good morning to you all. It is indeed my privilege to be here present in your company for the formal reopening of the Supreme Court, a ceremony which is being conducted under special circumstances in view of the ongoing pandemic. On that note, my thoughts and prayers go to Reverend Archdeacon Danny Elizabeth, who should have been present with us today, but had to excuse himself for health problem. Similar thoughts and prayers are conveyed to the Honorable Registrar of the Supreme Court, who is in isolation due to COVID-19. In my capacity as Bishop of Port Victoria, with Father David Alcedo, with Bishop French, I cannot fail also to acknowledge the presence of representatives of other religious denominations present today for this solemn occasion at the cathedral. Bienvenue à vous tous, mes frères des autres religions. I note that this year, 2022, the judiciary has chosen as theme the judiciary embracing change. Indeed, our world in general, as well as the Republic of Seychelles, are going through changes, among others at the political, social, economic, and technological level. The COVID-19 pandemic has greatly upset our habits in the fields of social life, life within families, but also at work. Legal services are not spared. In this difficult context, the task of justice is even more demanding. Our gathering this morning in this place of prayer, in this cathedral, is an opportunity to all of us to take a step back, to meditate on the great responsibility of a man and woman whose mission is to watch over and promote justice. Let's take a moment of silence. Let us enter into this time of prayer, meditation and reflection.
nous continuer. Priez, bon Dieu, nous, Papa, qui donne-nous la vie, qui mette dans nous une conscience, qui donne-nous capacité d'être juste. God calls us to be united. God calls us to be one. Though we may be inclined to brag, let us come together with humility. Though we may be tempted to use harsh words, let us come together with gentleness. Though we may want everything to happen quickly, let us come together with patience. How good it is when all of God's people live together in unity. Though the world around us often encourages hate, let us come together in love. How good it is when all of God's people live together in unity, in humility, gentleness, patience, love, and unity. Let us bless the God who has called us together. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name.
Almighty God, the nations and people of the earth reflects your beauty and bounty. You created unity in the midst of diversity through the power of your Holy Spirit. We acknowledge that the diversity of human is a great expression of your unfold love, the full creation. Our weakness as human beings, we turn diversity into a source of alienation, injustice, oppression, and wounding. We use our power to manipulate those who are and even consider others with different views from failure. We plead you to forgive us, O Lord, for our wars, righteousness, and charity. Nor will you keep your anger forever. You do not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. We pray you, O Lord, empower us to recognize and celebrate our differences as a gift to the whole human family. Enable us to be architects of understanding, love, and respect. In your mighty name we pray. Amen. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love towards those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. Praise the Lord, we are forgiven. Thanks be to God. Amen. This is a reading from the Bible, Corinthians 1, and it's a letter from St. Paul, verse 2, 1 to 16. Brothers, when I came to you, I did not come to proclaim to you the mystery of God with the prestige of language or wisdom. Among you, I did not want to know anything other than Jesus Christ, this crucified Messiah. And it is in witnesses, fearful and trembling, that I have presented myself to you. My language, my proclamation of the gospel, was not a language of wisdom that wants to convince, but it was the Spirit and His power that manifested themselves, that your faith may be based not on the wisdom of men, but on the power of God. Yet it is wisdom that we speak before those who are adults in faith, and it is not the wisdom of this world. The wisdom of those who rule this world and who go to their destruction. On the contrary, what we are talking about is the wisdom of the mystery of God. Wisdom kept hidden, established by Him, even before the centuries, to give us glory. None of those who rule this world has known it. For if they have known it, they would never have crucified the Lord with glory. But what we proclaim is, as his Christmas says, what the eyes have not seen, what the ear have not heard, what has not come to the mind of man, what God has prepared for those for whom he is loved. And it is to us that God, through the Spirit, has made the revelation. For the Spirit scrutinizes the depths of all things, even the depths of God. Now, it is not the Spirit of the world that we have received, but the Spirit that comes from God. That test, we are unaware of the gifts that God has given us. We say this with a language that we did not learn from human wisdom, but that we learn from the Spirit. We compare spiritual realities with each other. Man, by his abilities alone, does not accept what comes from the Spirit of God. For him, it is only madness, and he cannot understand. For it is through the Spirit that everything is examined. He who is examined, animated by the Spirit, subjects everything to examination, but not one who submit to it. For it is written, who has known the mind of the Lord, and who can teach him? Well, we have the thought of Christ. This is the word of the Lord.
laisse nous chanter aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Reading from the Holy Gospel according to St. Luke, chapter 18, verses 35 to 43. As Jesus approached Jericho, a blind man was begging, sitting by the side of the road. Hearing the crowd pass in front of him, he inquired what was there. He was told that it was Jesus the Nazarene who was passing by. He cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Those who walked in the lead rebuffed him to silence him. But he cried out more beautifully, "Son of David, take pity on me." Jesus stopped and ordered that he be brought to him. When he approached, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" He replied, "Lord, let me regain my sight." And Jesus said to him, "Regain sight. Your faith has saved you." At the very moment, he regained his sight, and he followed Jesus in giving glory to God. And all the people, seeing this, praise God. The Gospel of the Lord. Praise to Christ our Savior. Je voudrais commencer le partage de ces quelques réflexions que le comité organisateur de notre assemblée de ce matin, en l'absence du révérend Danny Elisabeth, m'a invité à vous adresser. Je voudrais commencer donc en vous citant ce verset du psaume 84. Il est dit: amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Par ailleurs, le psalmiste nous invite à prier ainsi au verset 7 du psaume 11: l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Suite à ces versets, mais également à bien d'autres passages de la Bible, les lecteurs des Saintes Écritures proclament que Dieu est juste. La justice est du reste, pour de nombreuses traditions religieuses et différents courants philosophiques, un des attributs de Dieu. De même que nous sommes nombreux à confesser que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant, qu'il est omniscient et qu'il est sage. Quant à l'apôtre Paul, il nous dit que Dieu est amour. Ainsi, dans sa première lettre, nous pouvons lire: qui n'aime pas
celui qui n'aime pas, n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Dieu s'est révélé, selon la tradition chrétienne, dans son Fils, comme un Dieu qui aime. Commentant ce texte de Jean, le grand théologien François Varillon disait que l'amour n'est pas un attribut de Dieu parmi d'autres attributs. Il nous disait « Dieu n'est qu'amour ». C'est la raison pour laquelle, modifiant quelque peu la formule traditionnelle, François Varillon aimait souligner que c'est l'amour qui est tout puissant. C'est l'amour qui est fort, c'est l'amour qui est sage, c'est l'amour qui est juste. L'apôtre Paul, quant à lui, s'adressant aux Corinthiens, aux Dockers de Corinthe, disait « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'agapé, l'amour, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Plus loin, dans cette même lettre, Paul disait « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Pour la révélation biblique, Dieu n'est ni Jupiter de la Rome antique, ni un horloger, citation que je prends de Voltaire. Pour la Bible, Dieu est amour, Deus caritas est. Mais il faut aussitôt souligner que pour la tradition biblique, l'amour, en grec l'agapé, est bien davantage que des sentiments par ailleurs nécessaires. Caritas in veritate, l'amour dans la vérité, l'amour, l'agapé, pour la Bible, est l'orientation de tout l'être vers l'autre pour faire exister l'autre, pour œuvrer au bonheur de l'autre et des autres, particulièrement des plus faibles. L'évangile que nous venons d'entendre ce matin, la guérison de cet aveugle mendiant au bord de la route menant à Jéricho, en est l'illustration concrète de l'agapé, de l'amour. Il ne s'agit donc pas simplement de beaux sentiments, mais d'une attention à l'autre, de la qualité d'une écoute qui va aboutir à une action concrète de la part de Jésus, faire voir cet homme et par là même le mettre debout et ainsi lui permettre d'accéder à l'autonomie, à la liberté. Notre monde est le fruit de l'amour de Dieu. Davantage encore, nous dit la Bible, nous les humains, sommes créés à l'image de Dieu. L'amour est ainsi le socle, la base, solide comme le granit des Seychelles. L'amour est le socle, la base de toute société, de notre vivre ensemble dans un monde en transition et qui connaît de si nombreux changements dans de nombreux domaines. Un monde sans amour ne serait pas vivable, nous dit l'essayiste Jean-Claude Guilbeault. Ce matin, nous sommes, me semble-t-il, invités à réfléchir dans ce monde qui change, entre autres à la question suivante. Quelle est l'articulation à faire et surtout à vivre entre amour et justice, entre aimez-vous les uns les autres et exercez la justice. Est-ce là une question naïve ou encore une perspective purement idéaliste, mais non applicable dans ce monde déchiré par tant de violences et d'abus de toutes sortes. Mais alors, renoncer à ce que la justice et la paix s'embrassent et qu'ainsi adviennent l'amour et la vérité au sein de notre société, ne serait-il pas abdiquer notre humanité? Rendre justice,
Veiller que la justice soit à l'œuvre au sein de la société, n'est-ce pas une manière concrète de s'engager pour faire advenir une société plus fraternelle et plus humaine? Exercer une juste justice ou une justice juste, impartiale, assurer la défense des victimes et les droits des inculpés, n'est-ce pas une manière concrète de chercher la vérité et d'incarner l'amour au sein d'une société, tout en sachant qu'évidemment, la charité dépasse la justice. N'est-ce pas cela la visée de la justice au sein d'une société démocratique et d'un état de droit? Veillez que chacun, particulièrement les plus fragiles, puisse trouver sa place au sein de la société, que chaque citoyen soit respecté dans ses droits, mais aussi inciter chaque citoyen à vivre selon ses devoirs. Rendre justice, même dans sa dimension pénale, c'est rendre possible, c'est faciliter la vie en société, sinon ce serait la joie de la jungle et le règne du plus fort. La justice a pour mission d'instaurer des relations ajustées au sein de la société, d'où le symbole de la balance. Toute personne exerçant dans le domaine du judiciaire, mais du reste, tout citoyen, mais il me semble qu'il y a une exigence, plus grande exigence pour le judiciaire, parce que vous êtes des exemples pour nous, pour la société. Vous êtes des modèles d'exemplarité. Chaque citoyen, chaque personne est invité à vivre ce que, en théologie, nous appelons les quatre vertus cardinales. Soit la vertu de la prudence, de la tempérance, de la force d'âme et de la justice. La vertu, selon Aristote et toute cette tradition philosophique qui remonte à l'Antiquité grecque, la vertu pour Aristote est cette inclinaison de la personne vers le bien. La vertu n'est pas innée, même si toute personne humaine en a cette aptitude. La vertu, c'est faire le choix de la part d'une personne d'orienter toutes ses facultés vers le bien. Un élan de toute notre personne vers une vie éthique. La vertu implique un entraînement à travers la répétition de nos facultés intellectuelles et morales pour les orienter sans cesse vers le bien commun, le bien de nous tous, la recherche de la vérité vers une vie éthique. Alors, l'amour, cette grande vertu théologale, incite la vertu de la justice à rester vigilante, vive et à toujours tendre vers la recherche de la vérité. C'est cela, me semble-t-il, le lien étroit entre amour et justice. Et comment, ce matin, ne pas penser à l'archevêque Desmond Tutu? Il avait un cœur débordant d'amour et en même temps, il était un assoiffé de justice. Dans le même élan, il a aimé et il a lutté pour la justice. Et c'est la raison pour laquelle il est entré définitivement dans cette longue lignée de personnes, hommes et femmes, qui nous rendent si fiers d'être humains. Desmond Tutu, archevêque Desmond Tutu, est un juste parmi les justes. L'amour est donc comme une source vive ou encore comme une source de lumière qui irrigue, éclaire notre conscience, qui la garde en alerte et vigilante sans évidemment se substituer à elle et à nos décisions. Des décisions en matière de justice qui résultent de l'écoute, de l'analyse, de l'interprétation des données objectives et de la loi, ainsi que de la jurisprudence. L'exercice des vertus cardinales, éclairées par l'amour, sans donc se substituer à notre conscience et à nos responsabilités,
et d'une grande aide dans nos prises de décision pour des jugements justes et équitables. La recherche de la justice juste, la recherche de la justice juste, animée par l'amour, est le chemin vers la paix et la construction d'une société plus fraternelle au sein de notre monde qui vit tant de transitions et de changements. Je voudrais terminer ces quelques réflexions par une citation du pape Benoît XVI dans son encyclique « Caritas in Veritate » au numéro 7 et qui résume ce que j'ai essayé bien simplement de vous partager ce matin. Je cite le pape Benoît XVI, il dit « Quand elle est inspirée et animée par la charité, l'action de l'homme contribue à l'édification de cette cité de Dieu universelle, cette cité si chère à saint Augustin. Quand elle est inspirée et animée par la charité, l'action de l'homme contribue à l'édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance l'histoire de la famille humaine. Oui, une histoire que nous écrivons chaque jour par nos décisions et nos actions concrètes. Merci pour votre attention.
President of the Republic of Seychelles, Mr. Nkarahon, Mrs. Nkarahon, all other protocols observed, Chief Justice, Bishops, let us pray. In Joshua chapter 1, verse 9, God said to Joshua, as he took over from Moses, "Remember, I commanded you to be strong and brave. Don't be afraid, because the Lord your God will be with you wherever you go." Heavenly Father, we glorify your name in this place, for you are God of justice. Thank you for being with our judiciary system throughout 2021. As they head into 2022 under the theme Embracing Change, I pray that they will be strong and brave, and that they will be as bold as a lion to do what you have called them to do. I pray that they will not be afraid as we cast out the spirit of fear and intimidation. Let your justice prevail through them. We stand on your word that you shall be with them and be their God in 2022. Thank you, Lord, for what you are about to do in our judiciary system of Seychelles. And all the people say, Amen. Embrace change with God's unconditional love. Dear Heavenly Father, as we enter this judicial year, it is a time of self-reflection and self-analysis. Lord, may you guide us through this season of worthwhile change so that we can adapt and embrace change. Help us to look forward to the idea of change. Lord, may you change our mindsets and allow us to be sensitive to our environment and in every situation that arises. Lord, may we not be indifferent and be vessels of love towards one another in order to bring change to our organization. Lord, may you enlighten, give empathy, and grant wisdom to our leaders as they are the vessel of change that channels directly to the public. May we as staff be the catalyst and product of change, and we can accept our differences in togetherness so that we can move our organization towards judicial excellence. Finally, may we embrace change with God's guidance. Amen. The Judiciary Embracing Change. Almighty and Everlasting Father, you who brought order out of chaos at the beginning of time, and who, through your Son Jesus Christ, taught us that old practices must inevitably give way to the new, grant, we pray you, to all justices, judges, magistrates, legal practitioners, legal officers, and judicial staff, the mind to accept that change is always necessary and usually positive, and the strength to embrace it when it comes, in order that, working jointly and severally, we may give to the profession, the clients we serve, and the persons who come before us the very best of us. Lord, hear our prayer. Lord God, we thank you for the gift of a new year, and we ask you to bless this new beginning. Though much has changed, we know your love for us will never change. Grant to us the serenity of mind to accept that which cannot be changed, courage to change that which can be changed, and wisdom to know the one from the other. Grant us a vision of your world as your love would have it, a world where peace is built with justice and justice is guided by love. Give us the inspiration and courage to build it. We pray to you, Lord. Embracing change. If you do not create change, change will create you. We are often resistant to change,
and we do not realize that change itself is constant. Even if you resist or avoid it, it will enter one's life. When you initiate the change yourself, it is not difficult to adapt to it, since it is a wanted one. People usually avoid changes and prefer to stay in their comfort zone. But if you are courageous and take the first step to change, your life will become much better. Amen. Now a special blessing for judges and lawyers. Will all judges and lawyers please stand? Thank you. Almighty God, righteousness and justice are the foundations of your throne. Love and faithfulness go before you. We plead for your abundant blessing upon all our judges and lawyers. Grant them the wisdom of Solomon. May they always seek to protect the weak from the strong, the powerless from the powerful, individuals from unwarranted or unlawful exercise of power. May they be known for mercy, rendering justice to the poor. Let their spirits soar as the eagle. Let joy abide in their hearts. May they heed the cry of the poor, the young and the old, setting free all those in need and melting the hearts of oppressors for the glory of your name. Place your hedge of protection around them and their families, and cancel any fear and anxiety that may attack them as they deal with the tasks set before them, and assure them of your presence, that your love for them conquers all fear. May they always acknowledge you as supreme above them. May they listen to your word, and may they spend their time in silence with you before they counsel. May they always seek and to defend and to uphold your law and the constitution of Seychelles, and assure that the rule of law prevails. May they protect the human, civil, and legal rights of every Seychellois and all who come before them. In your most precious name, Jesus, we pray. Amen. And now the judges and lawyers, please, would you pray together? Almighty God, give me the courage to deal with all that come before me, and help me to grant your justice to those will come for my aid. Remind me that all people are brought before the courts are your children. Grant me patience, understanding, and discernment. Give me eyes to see and ears to hear beyond the words on paper and spoken. Remind me that I am your servant, and that I am also the servant of the people of Seychelles. Give me justice, sufficient grace to tackle every day. Inspire me to do justice, to love kindness, and to walk humbly with you, my God. Amen. And now the prayer for court clerks and other court officials. Will you please stand? We pray together. Almighty God, in our day, make justice flourish and peace abound throughout all the nations. May every heart open to your love from sea to sea,
from the river of life out to the universe. Look with favor on all court clerks and all other court officials as they exercise their duty. We pray that they will not prevent justice, nor show partiality or favoritism, but consider all as equal. Lord, grant to them grace to treat everyone that comes before them fairly, without minding the prejudices and biases of thy society. To certain individuals or groups, bless and keep them and their families safe from any attempt of the enemy, and grant to them your peace that surpasses all understanding. In Jesus' name we pray, amen. And finally, for court clerks and other court officials, we pray, let your justice and mercy reign over all the earth, O God, of all people. You called all creation into being and formed all men and women in your image. Let us never seek to dominate or exploit our sisters or brothers, or treat carelessly what has been given to us as gifts, but deal with them all attentively in praise and glory to you. Amen. Thank you. Please be seated. Thank you very much for your generosity. And the collection will go as a donation toward the Association of People with Hearing Impairment. À nous demander, guide-nous dans la prière. Et ensemble dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Father, let your justice roll on like a river, and your righteousness like a never-failing stream. God the Son, let your love
but you need as one, reign in our hearts, and your word of truth be always in our mouth and on our lips, so that we may strive for the common good of all. God the Spirit, let your wisdom and understanding be poured abundantly upon us all, that in our diversity we may acknowledge you. Amen. Finally, all of you, live in harmony with one another, be sympathetic, love as brothers and sisters, be compassionate and humble. May God, vine grower, tend you and make you fruitful. May Christ abide in you and give you life. And may the Holy Spirit cast on all fear in you and fill you with God's love, justice and peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And may God, the Holy Trinity, make you strong in the faith and love, defend you on every side as you administer justice impartially, and guide you in all truth and peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain in you in all your love, now and forever. Amen. Notre cérémonie à l'église se termine ici. Je vous souhaite à tous, et nous pensons tout spécialement évidemment aux judiciaires, à tous ceux qui exercent une responsabilité si importante dans la société, une bonne année. Allez, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
bonjour, nous ici côté Palais de Justice pour continuation deuxième partie de la cérémonie, l'ouverture de la Cour suprême pour Salonnais. Bon matin, la cérémonie commence avec Ellen Mess, côté cathédrale Immaculée Conception. Et par exemple, on a constaté la cérémonie peut dérouler beaucoup plus petit en plein. Nous avons ici le président de la République avec son madame, vice-président, ministre pour les affaires internes et speaker de l'Assemblée nationale. Et dans un petit moment, nous pouvons attendre l'adresse par Chef Aziz Ronnie Govinden, qui pour concentrer un peu plus le thème qu'il a choisi pour sa l'année. Ça, c'est accueillir sans main. Your Lordship, sir. Court. Please remain standing for the national anthem. David, t'as pas l'œil. Number 60 of 2019, Lyndon Andrew Van Vol versus Jocelyn Barbie Perkins. It is my lord's, my ladies. I have been for the plaintiff in this matter. Please see my lords and ladies, it is Mrs. Amesbury for the defendant in this matter. So in this matter, there is an attempt to settle the matter outside the court. Is that still the case? It is still ongoing. I have mentioned it for the matter. We will maintain that date, and please come with a judgment by consent. So we maintain the date of the 19th of January, 2022, at 9:30 a.m. when this case will be called. Much obliged. Chef d'État de la République, Cécile, Son Excellence, Monsieur Weaver Omkalawan, First Lady, Madame Linda Omkalawan, Son Excellence, Vice-Président, Monsieur Ahmed Afif, Speaker de l'Assemblée nationale, Honorable Roger Mancienne, Président de la Cour d'appel, Monsieur Anthony Fernando, Ministre Errol Fonseca, Juge de la Cour d'appel, Fiona Robinson, Honorable Attorney General, M. Frank Ali, Commissionnaire de la police,
M. Ted Barbie, ban membre corps diplomatique, mon collègue Ziz la Cour suprême, master la Cour suprême, chairperson conseil appointement constitutionnel, chairperson PSAB, magistrat, superintendant prison, tout bon avocat, représentant ban différentes croyances, officiers judiciaires, Monseigneur Harel, Monseigneur Changim, ban membre média, les peuples cécélois, messieurs, madame, et ban invités distingués, bonjour. Aujourd'hui, c'est nous l'occasion de réouvrir la Cour suprême pour l'année 2022. Pareil l'année passée, nous prenons un soft opening, prenant compte de la situation de la santé publique dans le pays. Même si nous ne pouvons pas faire l'île ou l'emploi d'habitude, nous apprécions l'effet qui nous peut gagner broadcast live sur Internet. Nous bissons pour faire ci, qui nous commande un troisième pilier de nos démocraties. Nous restons relevant et à jour dans le cœur et l'esprit de nos bandits. Et qu'ils autres connaissent les judiciaires et faire dans un langage qu'ils autres comprennent. Nous gagnons l'opportunité pour faire li une fois par l'année. Et nous profitons de l'occasion pour nous causer le bon succès, nos bons défis, comment nous souhaiter pour bourse devant ça l'année, et aussi cause de certains cisés qui dans le domaine public qui concerne la Cour. Judiciaire ordinairement pas gagné sens pour cause le son les corps. Et aujourd'hui, c'est la seule opportunité que nous gagnons pour communiquer avec bandi moun qui nous peut rendre service. C'est principalement pour sa raison qui pour la première fois, moi pour prendre l'opportunité pour faire mon discours en créole. Tout de même, à cause langage de la Cour y en anglais, mon faire li nécessaire pour qu'une version en anglais in gagne faire pour qui, ensemble avec sa version créole, il gagne mettre le record de la Cour. Mais pour commencer en faisant une réflexion sur nos serments. C'est un bon principe constitutionnel qui ben dit nous besoin prendre comme sacré en résultat de ce serment qui nous fait. Là, nous prenons serment, comme on dit, nous sermenter qui nous pour bien servir la République Cécile dans l'office dit. Et qui nous pourra agir bien en accord avec la Constitution, c'est celle qui est établie par la loi et en accord avec la loi de la République, sans la frayeur ou faveur, l'affection ou mauvais cœur, et qui bon Dieu y est de nous. Premièrement, nous prenons serment pour servir la République. Ça veut dire que nous sommes là pour servir et nous ne sommes pas là pour gagner servir. Nous sommes serviteurs de la République et son peuple. Nous ne sommes pas mettre les peuples. Rendre service au pays, il veut dire faire quelque chose qui contribue pour son bien-être et bien-être de son peuple. Ça veut dire que nous avons une obligation pour délivrer le nos devoirs d'une façon efficace et honnête et dans les temps raisonnables. Et que les peuples ont un droit pour expecter que ça y arrive. Chaque fois que nous mettons nos robes et que nous assisons nos bancs, nous avons besoin de rappeler nous les corps à principe. Ça y pour aider à mettre plus l'humilité dans nous et aider pour qu'il s'y vienne plus bon tempérament judiciaire. Deuxièmement, nous nous sermentons pour faire bien en accord avec la Constitution sociale qui est établie par la loi. Dans cette année, il y a une obligation pour nous supporter et tenir ce concept « rule of law ». Par là, nous tout et nos constitutions. Il protège nous et établit les limites de ce que nous sommes capables de faire et qui nous pas capable de faire dans nos démocraties. Sa même constitution, une fête judiciaire, ça refroidit et donne nous pouvoir pour décider si ben la règle qui est créée par la constitution et ben la loi est cassée ou non. Nous alors, on a un devoir pour faire si que la loi est appliquée bien devant tous nos bons forums judiciaires, depuis sa bonne plus petit tribunal jusqu'en plus haut et plus grand la cour. Nous besoin éduquer nous les corps. Qui y en a rule of law. Et rule of law est gagné trouvé dans la loi écrite, dans nos bandissements et dans le principe équité. Rule of law, ce n'est pas nous. Ziz pas la loi. Il pas fait la loi. Nous appliquons la loi et là, nous faisons ça, nous avons besoin d'agir en accord avec la loi et faire bien et pas en mal. Troisièmement, nous faisons serment. Nous serment oblige nous pour pas montrer aucune faveur ou l'affection. Ça, il y a un renforcement de l'article 119 Constitution
qui dit que le judiciaire est indépendant et qui soumet lui seulement avec la Constitution et que la loi Cécile. Comment se fait-il? Il montre mon devoir pour assurer que sa principe constitutionnel il gagne maintenir tout que coûte. L'indépendance, il veut dire faire décision sans aucun influence sortie de la cour. Nous besoin base nos décisions, le bon fait qui de bon cas devant nous. Nous avons tendance, la préférence, inclination politique et regard ou la vie n'est pas relevant dans nos décisions. Quatrièmement, nous faisons serment que nous besoin agir sans aucun la frayeur. Ça veut dire que nous besoin d'un courage judiciaire. Un juge brave y applique la loi consciencieusement, comme il comprend lui, sans la frayeur et sans regard dans l'impact que sa décision y prend dans son popularité, le son bon collègue ou soit bon membre public. Un juge y besoin capable de stand. Même s'il connaît qui résultat son décision, il pas pour faire plaisir l'autorité ou un collègue ou un les autres du monde. Courage judiciaire y a un principe universel. Ben juge est obligé d'intervenir quand le législateur ou gouvernement y adopte la loi ou y prend action contre constitution. Même courage est nécessaire quand nous avons demandé pour prendre décision qui impacte ben droit et liberté personnelle, mais qui constitution dit non, irraisonnable et nécessaire dans un pays démocratique dans l'intérêt public. Nous seulement y aussi oblige nous pour travailler sans rancune. Nos actions il faudrait pas malicieuses ou soit capricieuses. La haine et la vengeance n'est pas quelque chose qui nous tolérer dans nos systèmes judiciaires. Finalement, nous seulement il dit que bon Dieu y est de nous. Nous sait seulement quoi que n'importe livre sacré qui nous lit, bon Dieu est tout le temps ainsi pour important de n'importe décision qui nous prend. À cause là nous prenons sa décision avec une conviction profonde et sincère qui est basée le dit bien sa décision pour un qui est toujours bon. À cause bande qui existe, zot besoin vivre par la foi. En disant tout ça, mon conscient bande défi qui sincèrement y a posé le nous la vie personnelle et professionnelle. Nous vivons dans une petite communauté, le bande tisil. Il y a un fait qui ça dit monde qui nous pésiser parfois un ami ou un ami un membre ou famille proche. Nati nous l'ouvrage, il veut dire que si n'a pas aucune base pour établir aucun conflit d'intérêt, nous besoin coûte ça affaire même si il pour en répercussion nous de bonne relation personnelle. Bon dilemme moral est capable immense pour nous tous. Même ça, nous travaillons sans cesse et nous délivrons de la justice tous les jours et pour ça nous tous nous besoin fiers. Là, mon cousin appelle aux médias et judiciaires. Cécile, son constitution y garantit la liberté d'expression comme un droit humain. En résultat, nous en avons la liberté de la presse. Ça, la liberté, pareil, nous connaît, il y en a son limitation qui m'ont si médias y au courant. Ensemble avec ça nous en avons une constitution qui prévoit pour un système de la justice qui est public. Il prévoit que la porte de la cour de Cécile est tout le temps ouverte. Pour n'importe qui qui a envie d'entrer et écouter les affaires, même s'il y en a certaines exceptions parfois, quand c'est très rare, quand ils ont décidé pour écouter un cas en privé, et si ça est le cas, il besoin de donner une raison valable en écrit. En résultat, l'effet que nous avons la liberté de la presse et un système de la justice qui est public, tout bon journaliste a free access dans la cour. Pour faire si, qui ça il fait d'une façon ordonnée, l'année passée, moi, tu fais un practice direction qui laisse bon journaliste pour venir en cours, filmer et recorder aucun événement qui passait en cours, inclut interview du monde en dehors de la cour. Vous êtes capable de servir n'importe l'équipement pour faire ça, inclut votre smartphones. Seulement si vous avez besoin de filmer dans un procès, vous avez besoin capable de demander consentement ziz qui peut dire ses affaires. Nous laissons la liberté d'accès dans la cour à cause de quoi? Que si un membre public est capable de descendre et écoute un cas sans restriction, un journaliste est aussi capable de parler, descendre, écouter et rapporter de sa même cas pour sa membre public, là, il n'est pas capable de venir en cours. En d'autres mots, les médias, ils viennent liser et oreiller membre public qui n'est pas capable de venir en cours pour écouter ses affaires, sa zone.
Par broadcast nouvelle, ban case avec l'intérêt public et l'intérêt national, sorti côté palais de justice, média et besoin rôle important en support droit membre public pour gagner accès avec la justice et en la justice indépendant. Deuxièmement, qui rôle un média libre besoin et qui vient porte-parole ban décision judiciaire. Les temps, la plupart du temps, du monde parle nous website ou lit nous ban law reports pour qu'on nous ban décision. De toute façon, ça ban disement parfois il paraît compliqué point dire mon ordinaire li. La presse en publiant nos décisions, y a alors aide nos judiciaires pour faire nos bonnes décisions qu'on recevoir par un plus grand coût la population. Et ça y augmente connaissance publique, les autres droits et la liberté et même temps édique les autres responsabilités. Alors nous senti qui média y a un partenaire clé pour nous. Cependant, comment nous porte parole et liser les oreilles publiques, mon concerné à cause de mon senti qui média en général pas peut prendre autre responsabilité au sérieux qui en a pour faire avec broadcasting des affaires criminelles. Ça bonne nouvelle qui soit l'oriman ou soit après qui a dit mon gars ça azé il gagne sans cirer sans aucune raison valable et légale. Ça scénario suivant, il y a un simple exemple. Si ce dimanche, tu descends vendredi passé pour aller écouter un case remand de la Cour suprême numéro 10. Zotes qu'on exactement tout qui passe en cours. Zotes qu'on nous dit, nos bon avocats, bon l'argument, figure et nos bon suspect et décision la Cour. Si on a des trois journalistes là qui peuvent suivre ces affaires. Ça même groupe dimanche, Zotes retourne côté Zotes et pareil nous tout. Et bon pays nous. Vous êtes assis devant votre télévision pour écouter nouvelles 8h du soir. Il y a un news item qui couvre sa même case, Riemann. Les autres suivent sa news item, sa journaliste qui cause tout quelque chose qui ne passe, à part quelque chose de plus important, qui non sa bande suspect et autres bandes d'images aussi qui ont cassé. Comment ça se dit pour sentir? Si tout, si ça a été fait par un broadcaster qui a une obligation constitutionnelle pour faire ainsi que les citoyens de sa pays, ils gagnent formel ou ban quelque chose qui impacte toute la vie directement. Il est normal pour ça ban di moun une réaction négative, qui à mon avis fait sens. Question que je peux demander au décor, si à cause ça secret, le figure et l'identité à ban suspect. Qui télévision peut cacher et à cause, quand les autres sont là, ils ont une voix et tendez toutes les choses qui ne passent. C'est là d'être un avocat, et même pour capable de demander son décor, le qui base qui média est capable de faire un case public, vilain qui privé, sans l'ordre de la Cour. Une bonne raison qui bonne média est capable de mettre devant pour sa timidité, c'est que sa publication est capable de faire les autres gens poursuivre d'un case diffamation. C'est pourtant ça pas capable d'arriver à cause de la vérité, il y a une défense d'un case diffamation. Et la presse, là, il rapporte de sa bonne affaire, il rapporte la vérité. Une autre raison, tu es capable de mettre devant, c'est droit protection pour la vie privée. Mais même ça, pas une bonne raison, à cause de ça, c'est nécessairement public et pas affecter aucune la vie privée. Une autre contrainte légale, au sabant publication, tu es capable de baser le principe sub judice, en bas section 114 ND, code pénal, qui empêche l'un qui peut passer pour dire aucune quelque chose ou écrire aucune quelque chose qui donne une fausse impression de sa caisse ou soit dit et écrit pour faire présidice un dimon de sa caisse. Ça y est aussi pas une raison valable dans ce scénario qui nous cause de là. À cause si vous rapportez de bonnes quelque chose vraie et réelle qui ne passe devant la Cour publique ou pas capable dans l'intention pour donner fausse impression ou soit présidice personne. Mon point de vue personnel, il vit que tout ce qui est en cours public, il devra la presse pour faire le public. Si vous avez rapport de l'eau-là, ça y a écrit dans le nom et montré dans le mal suspect et accusé. L'intérêt public qui demande que ça y arrive. Seulement, en disant ça, vous avez besoin accurate dans votre rapportage et rapport de l'eau fait qui n'arrive. Sans donner l'opinion, le mérite sa caisse. L'opinion, c'est la Cour qui donne. Et en même temps, vous avez besoin aussi passe les décisions qui suivent, décision finale. Si ça suspect gagne ça, vous avez besoin d'une gagne ça. Si pas gagne ça, vous avez besoin aussi informer qui pas gagne ça. Même affaire avec si gagne condamné,
ou soit acquitté et raison pour acquittement. Tout ça là est nécessaire pour capable faire un bon balance et rester juste à travers toute bonne partie. Mon demande zot l'esquisse si mon zot senti mon aller plus loin le s'assiser mais mon quoi il mon devoir et mon senti à cause mon senti que ça il donne l'impression bonnement public qui nos système la justice pas public et nous peut comploter pour cacher quelque chose qui pas le cas. Mon demande la presse pour prendre ça un des petits commentaires d'une façon positive et pour noter qui ça qui m'ont dit il advisory et pour chaque media houses pour réfléchir et prendre une décision le s'assiser. Mais mon intervention, il existe un guide qui a besoin de voir comment elle essaye pour augmenter la liberté d'expression au lien réduction de la liberté d'expression. Corruption et trafic d'orgue. Bonne question trafic d'orgue et bonne l'offense qu'il y a avec d'orgue et d'une certaine façon bonne question corruption et bonne l'offense qui est reliée et sa crime peut augmenter devant la Cour suprême. Comment la Cour impartiale et indépendant nous oblige en bas constitution pour nous écouter sa bonne question d'une façon juste et équitable et d'un délai raisonnable. Nous respectons sincèrement tout bon droit constitutionnel que sa bonne suspect est accusé de sa bonne prosecution y en a. Nous besoin apprécier qu'ils sont innocents jusqu'à ce qu'ils prosecution est prouvée sans aucun doute raisonnable qu'ils sont coupables. Seulement, si l'évidence est démontrée sans aucun doute raisonnable qu'ils sont coupables, nous avons besoin de condamner les autres sans hésitation et la fourrière pareil la loi est demandée. Après les autres condamnations, si bonne fait sa caisse est démontrée que sa l'offense est sérieuse, qu'il n'a pas aucune circonstance atteignante, nous avons besoin d'imposer sa sentence qui est nécessaire, inclure une sentence maximum pour l'offense qui est plus sérieuse. En faisant ça, nous pouvons sans aucun doute, pas faire aucune faveur ou peut agir sans la fourrière pour soutenir nos constitutions qui est nos devoirs constitutionnels. Là, moi, pour cause un des succès que nous faisons pendant l'année passée. Bonne façade devant parler de justice. Comment vous êtes capable de remarquer à présent est tout neuf. Le voir, c'est encore plus quotidien, la façade, pas derrière, que vous êtes voir si la route notre. Et pour compléter, moi, pour ça, nous apprécions cette bonne volonté du gouvernement chinois pour faire sa poser un succès. Nos bâtiments, ils viennent de Landmark encore, que les touristes puissent arrêter, puissent arrêter les autres taxis pour tirer pour autre devant nous parler. Ça, moi, qui peut commencer, nous pouvons faire une nouvelle rénovation. Rénovation intérieure qui inclut repasse la peinture et remettre à terre. Nous souhaitons faire ça l'ouvrage d'une façon qui paraît de nos services. L'année passée, nous cachons services qui commencent à accepter online payments pour paiement de dette et les autres services financiers qui nous offrent. Encore l'année passée, magistrats ont équipé avec d'autres systèmes modern recording qui font un court of record et autres, aussi un link-up par vidéo link avec Remand Center et prison. En zèle l'année passée, Ditissier a commémoré la zone et la constitution en organisant un discours roundtable avec nos bonnes partenaires clés, le sassis des droits et procédures équitables et l'épidémie COVID-19. Sa thème choisi par Ditissier tient les bips pour discuter de la constitution et limitations qui sont imposées par restriction à la santé publique et pour proposer solutions. Nous avons l'intention pour commémorer la zone encore cette année. Ziz la Cour d'appel, Ziz Mathilde Atoumi, tu recevras un prix franco-german en zilier en reconnaissant son effort qu'il fait pour défendre les droits victimes de la bisexuelle. Sa award, il reconnaît les gens qui distinguent le décor en défendant et en promotant les droits humains et rule of law. Nous félicitons Ziz Atoumi pour son achievement. Pour célébrer World Press Freedom Day, Ziz Atoumi fait un workshop en mai 2021. Sa session est publique. Pour 10 journalistes, le bon procédure judiciaire et comment pour plus capable d'apporter bonne question en cours. Il y a une participation presque tout bonne media houses. C'est pendant ça l'événement que moi lance mon media practice direction qui inclut un peu bon terme légal qui nous servit en cours et autres équivalences en créole. L'année passée, nous admet comme attorney ad law 4 state council sorti de bureau attorney général et 4 sorties de secteur privé après que vous fait votre privilège. Neuf étudiants avec votre degré de la loi qui fait votre bar final examinations en 2021. Et résultat, puis y a un release dans encore un petit moment. Mon réalisé qui barreau CC loi peut vieillir
et demande la relève. Mais pour lancer un appel pour plus zen, pour take up the challenge et faire une carrière de sa profession noble. Dans l'année passée, nous bandits, nous avons fait un retreat. Pendant cet événement, nous avons interacté avec les professionnels et discuté des défis que nous avons mis nous la santé mentale. Ça a l'occasion de un grand succès et nous tous nous reconnaissons son importance pour faire le plus souvent. Thème l'année passée, pour la paix, cultive la justice. Avec les bi pour faire la paix régner dans nos organisations et dans le pays en général. Ça la paix qui tire un des bandes corridors parler de justice l'année passée, c'est remarquable. Nous thème ça l'année et judiciary embrace change, judiciaire embrasse changement. Ça bande changement qui nous envie arriver, il gagne clairement détaillé dans nos plans, stratégiques, vision 2021-2025. Donc une des agents commence à implémenter les autres basés dans les piliers suivants. Premier, intégrité individuelle et institutionnelle. Premier pilier de nos réformes, c'est renforcer l'intégrité. L'environnement judiciaire a besoin d'un qui existe et l'institution judiciaire reste indépendante et impartielle et rendre compte. Agir sans aucun la frayeur ou faveur pas exister d'un vacuum. Tout pour dépendre de la valeur personnelle s'agisse et habilité sa l'organisation qui a pris de lui pour identifier sa bonne caractéristique. De l'autre côté, intégrité judiciaire et connaissance légale pas assez. Et si bonne sauvegarde constitutionnelle, il pas gagné en place. Et l'administration effective, confiance publique, ressources financières et infrastructures, il est important pour supporter intégrité personnelle et institutionnelle. Ça l'en est, nous travaillons pour ça avec conseil appointement constitutionnel, avec l'objectivité pour introduire réforme pour solidifier intégrité judiciaire. Un autre pilier, c'est autonomie financière. Manquement de ressources pour le système judiciaire à cause de contraintes financières, il commet dans un pays. Pour être capable de livrer la justice, tout de même, le judiciaire a besoin de ressources financières et l'indépendance administrative pour gérer sa ressource. Il est clair qu'il a assurance pour être capable de gagner assez de ressources budgétaires et l'autonomie administrative, le comment pour servir son budget est nécessaire pour promotion l'indépendance judiciaire. Contrôle le budget judiciaire est capable de faire que les autres branches du gouvernement mettent pression indirecte et influencent son décision, et en faisant ça, réduire l'indépendance. En bougeant vers plus grand l'indépendance financière, il aussi veut faire face avec les conditions et limitations de l'administration financière du gouvernement. Nous reconnaissons que dans certaines instances, réformes internes sont nécessaires et qu'il nous a besoin travaille avec contrainte de la loi et la règle budgétaire du gouvernement. En disant ça, le judiciaire n'est pas capable de traiter comme n'importe département du gouvernement. Parce que la troisième branche de la démocratie et son indépendance totale est importante pour la démocratie. Nous commençons une discussion avec nos bons partenaires, nous s'assiser, et ça l'en est, nous continuons à garder les autres branches du gouvernement pour faire ainsi que nous gagnons plus d'indépendance de l'allocation budgétaire et son gestion. Un nous bon objectif, ça démarre, c'est pour faire ainsi que le gouvernement a adopté Paris Principle, qui a été développé par les Nations Unies, qui est le minimum standard pour la National Human Rights Institution, qui est judiciaire. Un sa bon principe, c'est l'autonomie financière. L'éducation continue pour les officiers judiciaires et avocats. Une croyance traditionnelle, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'éducation continue. Sa croyance, il gagne fait, il gagne voir comment un mythe. Et nous avons besoin d'embrasser changement à ce niveau aussi. L'éducation bandise, ils ont un rôle important dans le professionnalisme judiciaire. Et ça, il y a besoin d'un clic continuing education pour un avocat. Ça l'en est, nous souhaitons qu'il y ait une vision 2021-2025, programme d'éducation légale qui est développé par le collège judiciaire Cécile pour capable adoption d'une variété de programmes éducationnels et techniques avec les BI pour maximiser l'effectivité dans plusieurs domaines. Semaine passée, sa collège a démarré pour qu'il nous offre avec le développement de la loi, qui organise une session de training, la provision du nouveau civil code civil. Staff judiciaire. Intégrité judiciaire pas existé en isolation. Qualité de bandise est raffinée avec les temps qui passent dans son la cour et staff
et son staff et staff ban l'agence qui la cour y interacté avec. Dans sa l'optique, plus ban di mon autour sa ziz qui qualifié, plus ziz y bénéficié. Et c'est pour sa raison que développement professionnel ban staff est important dans nos visions et pour continuer ça l'année. Un staff bien trainé et motivé y crée une réalisation et perception qui la cour peut opérer d'une façon plus effective et ça y aide à mettre plus confiance dans le système. Pour capable améliorer l'impact qui est un training programme pour un an pour coach staff, judiciaire pour implémenter un training lead assessment pour capable déterminer qui qualité amélioration et changement qui nécessaire. Ben support staff, il représente la colle qui tenait nos systèmes judiciaires ensemble. Et nous avons des efforts de ce domaine est très important. Nous besoin aussi, comme un autre pilier, embrasse technologie. Internet technologie il offre judiciaire plus possibilités pour améliorer son l'opération. Ça y aussi supporte valeur comme la transparence, rendre compte et droit et accès avec la justice et droit à la formation. Ça l'en est, nous pour continuer à explorer le service ban cost effective technologies pour nous réaliser nos ban l'objectivité. L'épidémie COVID-19 y présente plusieurs défis et difficultés pour administrer la justice. Mais aussi présent, il présente beaucoup d'opportunités pour embrasser la technologie à travers virtual hearing, qui pour moi est une fondation pour la création d'un fully operational virtual court dans les FITI. Je suis étonné pour voir qui quantité d'un avocat est accepté et adapté avec les affaires. Côte majorité de l'évidence, il n'y a donné par un Zoom hearing, côte témoin l'Angleterre, les affaires peuvent écouter ceci. Sans COVID, ces affaires, tu pourras rendre l'appel devant la Cour constitutionnelle. Je félicite autres pour votre flexibilité et compréhension. À long terme et moyen terme, les judiciaires reconnaissent qu'il est nécessaire pour introduire le changement technologique et nous conscients que le travail préparatoire a besoin d'en faire là comme il est là. Ça y inclut promulguer l'encadrement légal pour introduire un e-court system. Et ça l'en est, nous commençons à mettre une base initiale pour ça matérialiser. Un autre pilier, c'est l'amélioration du Judicial Information System. Administration, l'information judiciaire et couvert publication jugement à travers law reports et publication online. Nous besoin brasse changement qui technologie peut amener de publication légale et judiciaire. À cause de publication, ils ont un rôle important dans le fonctionnement du système de la justice. Il est vital pour nous, pour nos développements jurisprudentiels, qu'ils officient la cour et bon avocat aient accès avec bon jugement, qu'ils soient des formes physiques ou des formes numériques. Ça l'en est, nous continuons à investir dans le Judicial Information Management à travers nos libraries et nos websites, avec les buts pour faire judiciaire rester un centre d'excellence pour matériaux légaux et judiciaires. Au niveau domestique, régional et international. Transparence, access, outreach et l'éducation. Par exemple, avant judiciaire, il y a un champion quand il y en a pour faire avec droit pour gagner accès avec la cour. Public et médias sont capables de venir en cour sans aucune contrainte. Également important, nos capacités pour donner public avec les formations à la cour, essentiellement bandisement et les autres formations administratives à la cour, pareil, case loads, clearance rate, fouiller la cour et bonne practice directions. Mais nous aussi conscients que la transparence y inclut donne plus accès avec la cour et documents d'un forme qui public qui a consommé, et spécialement journalistes et court users qui n'a pas background légal. Alors nous besoin faire les plus simple qui possible. Bon programme outreach et publie ben, les formations de la cour, il augmente la qualité de la justice à cause de plus confiance dans les judiciaires. Ils ont aidé pour engager la cour dans une relation avec la communauté et démystifier un tas de complexité autour de l'opération système légal et la cour. En éduquant les membres publics et inclus autres dans le travail de la cour, par un ben, programme outreach, la cour augmente la confiance publique dans nos systèmes judiciaires et rule of law dans nos communautés. Dans sa démarche judiciaire, l'année passée, il publie son propre newsletter
qui sortit d'une façon régulière et son propre website Facebook. Et Facebook page qui donne bon public et profession légale, bon updates qui peut passer dans la cour. Ça l'en est, nous souhaitons pour améliorer sa bonne plateforme existante, tout en essayant pour autre plus façon pour donner l'information avec les PIP. Une profession légale qui rend compte. Discipline bon avocat, il tombe dans la cour suprême. Judiciaire continue à concerner avec l'augmentation de complaintes par client contre bon avocat. Il est clair que le système actuel pour deal avec sa situation n'est pas adéquat. Avocat, il y a un potentiel pour promouvoir ou soit en paix accès avec la justice. Si vous ne travaillez pas d'après les autres codes professionnels, vous affectez droit et du monde à accès avec la justice. En embrassant sensement de sa secteur, nous pouvons créer un groupe qui peut contenir tout bon acteur principal pour nous revoir procédure disciplinaire avec l'objectivité en même plus efficacité en bas Legal Practitioners Act. Et pour nous introduire un Sessions Bar Council Act qui peut agir comme un conseil composé par avocats qui pour en un pouvoir discipliner les autres collègues et les autres publics. Statistique la Cour. Performance la Cour est gagné mesuré en considérant deux aspects. Premier, case disposal. Et deuxième, le pourcentage qui est une vieille case, c'est-à-dire backlog, il forme partie totale de la case. L'objectif, c'est d'arriver à un plateau que le backlog est un pourcentage nominal total de la case et que la quantité de case qui est complétée est presque pareil de la case qui est filée. Statistique 2020-21, il démontre que la Cour fait progrès en réduction un pay backlog. En même temps, COVID-19 il a affecté nos capacités pour deal avec la case d'une façon pareille l'habitude à cause de la Cour, il a besoin de fermer le département de la santé publique, ou soit à cause de la disease, aux autres staff la Cour pas capable de travailler à cause d'autres gars mis dans la quarantaine. Mais de l'autre côté, nous remarquons qu'il y a moins de questions qui fallait comparé avec l'année auparavant. Nous restons déterminés pour réduire ce backlog, surtout là que nous avons des nouveaux ZIS. Pour les banques qui sont intéressées pour voir des détails statistiques, pour différents la Cour, vous êtes capable de visiter nos websites, le www.judiciary.sc, ou soit lire nos annual reports pour l'année passée. Mouvement staff. L'année passée, nous sommes capables de remplacer la majorité post-vide dans le judiciaire. Nos staff ZIS sont augmentés par l'appointement des ZIS de la Cour suprême et master de la Cour suprême qui a appointé aussi l'année passée. Bonheur, ça l'en est, nous pouvons appointer un nouveau magistrat. Au niveau senior management, nous avons réussi à appointer un nouveau directeur de l'opération et logistique après qu'il y ait une vacancy qui est arrivée l'année passée. Dans nos Legal Research Department, l'année passée, nous avons réussi à appointer nos Director of Legal Affairs, nos senior legal researchers et trois nouveaux legal researchers. Nous avons remarqué que dans certaines sections, il contient un high turnover of staff, surtout dans la section interprétation. Ça fait que nous perdons un bon peu de bandits mon expérience. Nous avons besoin de mettre en place un bon plan pour retenir sa bonne officier, ça l'en est. Finalement, laisse-moi remercier tout bon qui fait les autres devoirs bien l'année passée. Que nous faisons mieux pour créer la paix en cultivant la justice. Là, quand nous bougeons devant ça l'en est, on nous embrasse bonne mesure qu'on a pour faire pour nous amener bon changement positif dans tous nos bons services. Le seul objectif de sa bonne réforme, c'est pour faire si qui nous reste plus près avec nos mandats constitutionnels et faire que sa institution est plus effectif et plus relevant. Pour nos chefs d'État, son Excellence Président River Ram Kalawan, merci pour honorer nous avec vos présences. Si mon patron pays fait la première fois qui est un président y présent dans la cérémonie l'ouverture de la Cour suprême. Au présence parmi nous comme chef d'État, il démontre l'importance qu'il a attachée avec le judiciaire et nous, la démocratie. Même votre remerciement, il y a pour vice-président de la République et M. Ahmed Afif et honorable speaker de l'Assemblée nationale. Votre présence est aussi historique. Mon collègue Ziz, magistrat, président, bon membre et membre tribunal et staff judiciaire, merci pour votre ouvrage dit l'année passée
de Bahaban circonstances contraignantes qui nous l'a dans. Salané, nous besoin encore vin plus imaginatif et plus adapté. Adapté ban nouveau la pose pour faire face avec ban vieux et nouveaux problèmes. Et en même temps, qui nous fait face avec l'environnement légal qui est toujours en mouvement et situation économique incertaine. Pour ça arriver, mon compte nous l'esprit l'unité et collégialité. Pour nos partenaires dans l'administration de la justice, pour nos rabattons généraux et son office, commissionnaire de la police, membre de la force de la police, commissionnaire de la commission anticorruption et son staff, bon avocat, superintendant de prison et son bon officier, service probation, service social et les autres services qui alignent la liste. Et c'est un long qui n'est pas pour assez pour moi, mon chanel. Moi, envie de nous apprécier les autres services, les autres grands efforts qu'ils ont mis pour respecter la règle de l'organisation. Je remercie les médias qui sont capables de faire ça l'événement dans le broadcast live, la télévision. Et remerciement spécial pour Alpozis Pile et son team comité réouverti la cour et son bon staff qui travaille exceptionnellement bien avec lui. Pour faire que ça l'événement, bon matin, cathédrale, et là encore, il vient sa succès qui était. Moi, apprécié surtout ça la tous républicains que la première fois dans notre histoire, nos livres nationaux résonnent de la cour numéro 1. Finalement, mon plus grand remerciement, il y a pour bon dimon qui servent nous la cour tous les jours. L'année passée, pas si facile. Et par les autres connaissent l'année, il commence avec un pays de difficulté avec sa COVID-19. Ça y a un potentiel pour affecter nos capacités pour rendre notre service à un niveau d'habitude. Mon connaît seulement qu'ils ont aussi déterminé par nous-mêmes pour que ça n'aille pas arriver. Alors, en nous mettant nos masques, prenons nos vaccins, quittons nos distances sociales et protégeons les corps. Et mon réussi, nous poursuivons ça défi par nous ciment les autres auparavant. Mon souhaite tout, un bon année 2022 et qui bon Dieu bénisse nous tous et nos pays Cécile. Merci. Code. Vous pouvez suivre l'adresse par Safety's Ronnie Govinden. Il fait deuxième fois que Safety's Govinden il présente son adresse depuis qu'il prend l'office. Par exemple, il a constaté qu'il m'a dit depuis le commencement qu'il décidait pour faire son adresse en créole. Il dit qu'il pas souvent que la cour est en sens cause au travail qui se fait. Dans son adresse, Safety's Govinden, il adresse plusieurs issues. D'abord, il passe message avec son bon collègue, bon travailleur la cour, pour qu'ils mettent la loi par là où tout, les autres peuvent délivrer dans le travail. Il aussi élabore un petit peu le manque de corruption et de trafic d'eau qui peut continuellement augmenter dans le pays. Et il aussi aborde le sixième média avec judiciaire. Moi, va présent, passe l'antenne pour continuation du programme.